Allez, on y est presque. Voilà. Command, construct Starbase. Donc, mining ring, nickel. On a deux unités de Durantium. Du coup, toi, il me faudrait que je te fasse à peu près par là-haut. Mais je suis quand même assez inquiet à l'idée que tu me détruises avec tes putains de pirates. Ouf, 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 ouf. Putain, on a des problèmes de support en plus. Ah, ils ont construit le projet. Parfait. Ok. Donc, on a deux Durantium. Nickel. Donc, ici, je veux une raffinerie. Et je vais la mettre en premier. Voilà. Et on va tout balancer dans la prod. Même si du coup ça va me ralentir sur la recherche, c'est pas grave. Oh. Tu veux bien te déplacer s'il te plaît? Merci. Voilà. 45 de prod quand on est au max déjà. C'est pas mal. Et du coup ça va prendre combien de temps pour faire ce truc là? 4 tours. C'est long. Et on n'a pas de recherche en ce moment. Donc voilà. Entertainment Center. On va pouvoir commencer à les faire. On va peut-être prendre l'Universal Translator pour pouvoir commencer à parler à nos voisins. Bon, l'avantage, c'est que j'ai cette planète qui est à max de recherche. Donc, c'est pas mal du tout. Ça, ça permet de compenser. Donc, ça, c'est la classe 9 qu'on a trouvée. Avec un peu de trucs à côté, d'accord. Ouais. Ouh, il y a beaucoup de planètes ici, mais c'est dommage. Il semblerait que... il n'y en a aucune d'habitable. Plus que 3 tours. Ah oui, sachant que lui il donne plus 2 levels à lui. Il fait plus 25% en manufacturing. Et ces trucs là vont être ouais, d'un bon niveau, donc ça c'est pas mal du tout. Nickel. On va aller jeter un oeil là. Alors toi, est-ce que je peux te construire là? Oui, parfait. En plus, il est dans ma zone, du coup, lui. Bien. Donc, première mine de thulium. Ok. Alors, on va en profiter, justement, ici. Soit on fait une thulium data archive, qui donne plus 3 à ces deux-là. On fait un power matrix qui donne que plus 2. Le truc, c'est que je trouve que le positionnement est pas génial, ici. Alors que peut-être qu'ici, il est meilleur. Ouais, non, il est encore pire. Ah, putain. Il me faudrait le truc de terraformation, mais je suis même pas sûr que cette taille serait disponible. Il me le construirait plutôt par ici. Il serait du gâchis. Donc, vaut mieux le faire ici. Mais si je pouvais l'acheter, ça serait pas mal. 2200. Allez, j'achète. Ouais, 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 mais ta gueule. Alors. Voilà. Donc ils sont niveau 4 tous les deux. Donc on est à 35 de recherche maintenant. Donc on va le laisser en full recherche, le temps que la capitale soit en full manufacturing. Ouais, même pas besoin d'être en full manufacturing parce que le truc est bientôt fini. Donc on va se mettre à peu près par là. Qu'un tour, c'est parfait. Du coup, on va se mettre moitié-moitié ici aussi, histoire que les trucs soient produits quand même un petit peu. 6 tours, ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Allez, nouvelle techno, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre manufacturing spécialisation qui augmente de 1 niveau tous les trucs de manufacturing, ce qui est énorme. Donc ça y est, boum. On est à 36 de prod. Est-ce que la série avec Xalorian et Tibbs est finie? Non.
Et c'est le mardi soir, c'est pas le dimanche. Et voilà. Bonsoir, justicière, du coup, bienvenue. Donc on n'est plus qu'à un tour pour la plupart de ces trucs-là. Et pas mal du tout. On va faire ce qu'on va. On va détruire la Power Matrix ici. Mettre un Manufacturing Yore à la place. La mettre ici, la Power Matrix. Et on va foutre des Manufacturing Yore tout autour. Voilà. Et du coup, ici, on va foutre probablement un Entertainment Center. Ici aussi. Et au milieu, on mettra le truc qui... l'Intimidation Center. Tour 26. Plus 1 diplomatie sur toutes les races, d'accord. Que 2 tours pour le recherche collective. Sachant que... ouais, on va y foutre après des Entertainment Center. Non. On mettra après peut-être. Et merde. Putain. Je me suis fait avoir. C'est le genre de truc que je voulais éviter. Mais là, vraiment, quand tu finis ton déplacement, que tu tombes sur un ennemi comme ça, tu peux pas faire grand chose, quoi. Ah, donc là, il va sortir. Voyons voir. Les recherches collectives, ça coûte combien? 45. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réactiver notre chantier spatial. Et profiter de tout ce qu'on a là pour mettre uniquement 45. What? Pourquoi 3 tours? Ça coûte 45. Ah mais non, putain, j'ai fait l'inverse. Voilà. Voilà, un tour, 2 tours pour la Power Matrix. Ça coûte 54. Bon, on verra quand on sera là, c'est pas grave, on le boostera un peu. Et du coup, ici, on peut faire un seed pour aller construire cette jolie petite planète qui nous attend là-bas, qui va nous permettre de regagner de l'argent. Je suis sûr que la capitale des terriens, elle est là. Et qui commence à s'étendre comme ça. Elle est là ou elle est là. Toi, tu fais un Entertainment Center pendant 3 tours. Très bien. Oui, ben... ok. On va faire, c'est qu'on va... voilà, de toute façon, ça prendra un tour à terminer. Ça permet de capitaliser un peu sur notre recherche. 2 tours, il nous reste. Ok. Ça, on va pouvoir le détruire aussi, au final. Quoique, les plus 2 de recherche... ouais, mais... j'ai que 0,1. Qu'est-ce qu'on s'en moque. Par contre, ce qu'on va faire après, c'est des assemblées. Une fois que tout ça sera terminé, on va faire des assemblées à mort. Ok, donc ici, Q, empty. Donc, pour l'instant, on va lui foutre un festival culturel. Voilà, tout dans la recherche. Donc, improvement de level plus 1, parfait. Donc là, ce que je veux, c'est ça, pour avoir le Soil Engineering, et ça va être pratique sur toutes mes planètes. Il y a celle-là aussi qui me font. Donc maintenant, putain, on est déjà à 86. Donc, combien nous coûte la Power Matrix déjà? 54. Donc, on va mettre 54. Alors, il y a un truc qu'il faut qu'on regarde, c'est que... là, on le voit pas.
On place sa souris en fait dans du vide ici, ça montre en fait le nombre de points de manufacture qu'on a en rab. Et ça permet. Et en fait, c'est con, ça devrait être affiché ici ou ici ou ici, tu vois, quelque part ailleurs. Mais là c'est mal pensé ce truc-là. Ah putain, bon. Pas grave. Bonjour, maître palatien. Ouais, notre morale est pas trop mal. Ouais, c'est parce que les deux planètes ont construit leur centre d'amusement. Il nous reste... non, ils n'en ont pas construit ici pourtant. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a que 2,5 de pop. Donc, de toute façon, ici, on voit le temps de production, on rigole quand même. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il fasse de la science, lui. Donc, on re-switchera plus tard. Une fois qu'on aura amené de la population, on re-switchera la production. Et pour arriver à la population, il faut d'abord construire tous ces trucs-là. Donc, ça va être assez rapide. Donc, maintenant, les manufacturing yore, c'est 30... Donc on peut... Voilà. Allons voir. Est-ce qu'il y a un raccourci pour changer de planète? Je sais pas. Si quelqu'un le sait dans le chat, dites-le moi. En tout cas, les 1 tour, c'est bon. Et bon, ici, de toute façon, ça va changer après. Putain. Ok, donc on peut commencer, ouais, on va lancer Diconia, ça va réduire notre prod, ça, c'est pas cool. Du coup, on tombe à 31, et c'est 30, donc ça c'est parfait, on peut le laisser tel quel. 8 mouvements, nickel. Donc tu vas venir essayer de te glisser par ici. Ok, donc on a le Soul Engineering. Synthétique Population Cap, Total Production... ou mining. On va prendre le total production parce que ça s'applique au base, au raw production d'une planète, ce qui est énorme. Donc notre shipyard, rien à faire. Oula, attendez. Mon réveil qui me dit que c'est l'heure d'aller dormir. Mais non, demain c'est férié, voyons. Donc, on pourrait modifier ce design. Il a combien de mouvements là actuellement? 5,3. Donc on va l'utiliser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... On va lui enlever les modules de Hyperdrive pour l'instant. Et on va lui mettre un deuxième module de conscience. Oh, il les a mis. Il les a cachés à l'intérieur. Pas comme ça, on pourra construire 2 modules sur une station à chaque fois, ou construire 2 stations avec un truc, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, on va foutre. Est-ce qu'on peut mettre un hyperdrive plus? Ça coûte 12, parfait, nickel. Donc, du coup, il se retrouve à 5,3 de mouvement. Save Lightpoint Mark 3, pourquoi pas. Et du coup, on va construire, je pense, ça 2 tours seulement, parfait. Et tu, pour l'instant, tu vas me les construire de façon infinie. Comme ça, on va pouvoir équiper toutes nos planètes de stations qui vont venir booster leur truc. Et on va pouvoir prendre le thulium qui est là, le durantium qui est là-bas, le durantium qui est ici, celui qui est là. Et ça serait déjà pas mal. Ah, trade offer. Qu'est-ce que vous voulez? Open borders. Alors là, on va te faire foutre. Donc, ouais, nos Entertainment Center, c'est pour bientôt. Allez. Ok, donc il nous en a sorti un. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va construire une station pas très loin. Pour soutenir la production sur la capitale. Donc on va la mettre là. Et du coup, on peut mettre... un economic ring. Pourquoi? J'ai bien fait des marques 3. Ah mais non. Putain.
Voilà, c'est celui-là qu'il fallait que je fasse. Au moins. Je me disais aussi, putain, c'est bizarre, il est pas cher. Annule-moi ça. Voilà. Ouais. Donc on a rencontré des gens. Ils doivent être, à mon avis, vu le temps qu'on a passé par ici. Bon. Ok, on commence à sortir des Entertainment Center. Nickel. Où est notre vaisseau de colon? Putain, parce qu'il y a des putains de pirates pas loin. Ils ont combien de mouvements, eux? Deux de mouvements. Donc on devrait pouvoir les contourner. Voilà, et du coup, au prochain tour, venir là. Donc, Total Production plus 1, c'est parfait. Voyons voir. Non, on va peut-être pas encore passer ça. Mais on va Adjacency Level pour nos Manufacturing Improvements, Research Improvements ou Synthetic Population Cap. On va mettre le Adjacency Level plus 1. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça va encore augmenter les niveaux de nos trucs. Il va être assez énorme. En gros, ils vont donner plus 2 à leurs voisins, normalement. On va vérifier ça une fois qu'on l'aura. 4 tours, ça prend. Ok. Ici, on est au max sur la recherche. Et 38. Ici, on est à 35, mais parce qu'on fait un tout petit peu de... Ouais, non, mais attendez. Ça sert à rien, ça, ce que je fais, là. Voilà. Attends, allez, à fond, tant qu'à faire. Pas faire les choses à moitié. Là, la question étant, est-ce que c'est à portée? Yes. Voyons voir. Ça va être oxylate et du coup, richesse. Voilà. Du coup, ce qu'il me faut, c'est du malevolence. Ouais, le reste, je m'en fous. Parfait. Oh, parfait. Plus d'approval, un wealth. Oh putain, ouais, nickel. Notre Power Matrix, elle donne des bonus au Wealth. Si je la mets là, elle prend pas de bonus. Si je la mets là, elle peut booster deux trucs qu'il y aurait là. Donc ça serait nickel. Si je mets un Market Center ici, un ici, un ici, notre Power Matrix ici, et un Entertainment Center ici, on doit avoir des bons bonus. Qu'est-ce qu'on a là? Plus 2 à l'influence. Ouf, on pourrait faire de l'influence, ça me gêne pas. En plus, c'est proche des trucs ennemis. Mais bon, pour l'instant, on va faire ça. Et on va mettre full production pour qu'ils puissent nous sortir ça le plus vite possible. Ensuite, où est-ce qu'on en est sur notre capitale? Il nous en reste encore quelques-uns. Notre approval est en train de monter. Et on a un point d'idéologie à dépenser, Malevolence. Intimidation Center, c'est ce qu'il me faut. Donc, si je fais ça ici, vous voyez, plus 2 à l'approval et plus 50% de morale. Voilà, bim. Donc ça, quand ça va sortir, ça va faire du bien. Alors toi, tu vas aller prendre le thulium qu'il y a là. Ah merde, t'es pas à portée. Tu vas te mettre là du coup. Voilà. Et allez, voilà, ils sont là les iconiens. Toi, tu vas aller prendre ceux d'urantium, je pense. On a 159 de production sur notre capital. Et on a 136 points de manufacture de côté. Ce qui est beaucoup trop. Combien ça coûte ça? 30 seulement. Non, c'est un manufacturing yard. Et manufacturing collective sont à 45. Non, mais même si je me mets au max, vous allez voir que ça va les produire quand même. Donc j'ai 136 points. Voyons voir au prochain tour combien j'ai. 136 points. Vous en souviendrez? 136 points. On pourrait augmenter notre matrix de fusion. Ouais, carrément. Toi, tu vas aller où? Tu vas aller... Prendre ce durantium là. Qu'on va faire, on va se calmer un petit peu, on va faire quelques probes, histoire d'aller explorer. Toi, tu peux t'annuler.
Ah, je peux envoyer des vaisseaux de commerce déjà. Bon, je vais faire quelques probes. Bon, je dis quelques, c'est le mettre en infini pour l'instant. Du coup, tu vas me booster ce shipyard vite fait. Donc du coup, on devrait avoir deux trucs. Starbase Factory. Voilà, et pour l'instant, ce sera tout. Ouais, je sais. Non, donc tu vas ressortir. Voilà. Et du coup, avec ton deuxième point, tu vas venir construire un truc à côté de lui. Donc, toi, bien. Et du coup, bah, t'es encore dispo, forcément. Je suis pas allé voir ce qu'il y avait là-dedans, donc en passant comme ça, ça me permettra de voir, et au pire, ça me permettra de venir construire pour lui, à côté de lui. Il va nous falloir commencer aussi à faire des vaisseaux militaires pour se débarrasser des putains de pirates qui sont en plein milieu. Oui, oui, je reste de mon côté, tant que toi tu restes du sien, ça m'ira. On pourrait aller coloniser ce truc-là, hein. Moins 50% de totale production, mais c'est pas grave, on pourrait y remédier plus tard. Il faut qu'on colonise ça aussi. Ça nous ferait une deuxième planète de... Waouh! Classe combien? 17! Perfect! Waouh! Radioactive World! Génial! C'est la première fois que je vois le cercle plein comme ça. Donc, explore. Oui, la différence entre la France et le Québec, c'est bien 6 heures. Donc, toi aussi, tu vas aller explorer... Merde. On est autour 40 et on fait déjà 170 de production sur notre capitale. Alors, et vous voyez, il ne nous reste plus qu'un point. Donc maintenant, on va diminuer. On va voir, ça coûte combien, Intimidation Center? 120. Parfait. Je mets 120. Donc, toi, tu me construis une Starbase. Et un Mining Ring. Parfait. Et en guise de deuxième, tu vas venir, je pense, updater le truc qu'il y aura là. Toi, du coup, tu viens... Ouais, tu peux la construire là. Ok. Économique. Et du coup, toi, tu viens dessus. Starbase Laboratory. Retaxia. Bon. Bon, lui, il finit l'Intimidation Center au prochain tour et après, on va sortir des assemblées, mais comme des malades. Sachant que lui, il sert vraiment à rien. Hein. Il faut que je l'enlève. Hein. Ouais. Ils sont level 7 quoi. Et lui level 8. Et eux level 5, 6. Putain, je suis à combien? Plus 390% déjà. Donc maintenant ce qui me manque c'est de la pop. Allez, on va voir. Oui, toi tu peux fabriquer une Starbase. Mining Ring. Parfait. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme... Ouais, celui-là il est déjà exploité. Ah, celui-là là-haut il est... Ouais, mais il est hors de portée de mes vaisseaux. Putain, il faut que je prenne la recherche. 4 tours, la matrix de fusion. C'est pas, c'est trop. Il y a 38 ici. Je booste ma recherche. Il faut que je fasse un... Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Donc si je le fais là, ça devrait le faire. On va mettre moitié-moitié. Après, cette planète-là. Soul Engineering, je pourrais foutre là. Pareil, moitié-moitié. Voilà. Ici, ouais, ça avance. Et sur Iconia, je pense qu'on peut diminuer maintenant. Non, on va faire un tour au max. Ok.
Et ça, on peut annuler. Non, on va en faire encore un. D'ailleurs, on va augmenter la portée de nos vaisseaux. Alors, on va regarder un peu les graphiques. Ouf, en termes de puissance, on est dernier. Ok. En population, on n'a pas évolué. En influence, on est dernier. Mais en production, on est loin devant. Normal. Donc maintenant, on va rattraper tout ça. Donc, explore. Donc ici, grâce à ça, vous voyez, on est à deux niveaux ici. Il nous fait un approval au total de 20,7. C'est pas trop mal, mais peut mieux faire, j'ai envie de dire. Donc du coup, tu vas nous faire ce manufacturing là, et après tu vas nous faire des assemblées. Ok. Et on va faire des vaisseaux de colonisation pour transférer notre population à d'autres planètes. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? T'as rien à faire? Tu vas venir soutenir ça. On a quoi? On a 3 de durantium et 1 de thulium. C'est parfait ça. Et il faut qu'on colonise cette planète aussi, comme je disais. Donc, les probes, vous pouvez annuler. Et on va faire des seeds. On va faire 4 pour l'instant. Et sur Iconia, tu finis ce manufacturing. Et ce sera très bien. Donc je vais rester sur la production parce que c'est le seul où je suis premier, donc ça va me motiver. Donc ouais. Oh putain, il va me rester plus que 4. Combien de temps? 3 tours. Mais je croyais que je l'avais mis au tour d'avant. Ah mais je devais avoir de la production de stocker sans le savoir. Ouais, 257 points de manufacturing. Du coup, il va me les sortir comme des petits pains, ces trucs-là. Donc on va les coloniser ça. Ok. Ensuite, toi. Non. Ça, c'est ma faute. Laboratory. Très bien. Bon. Oh putain. Culture relief. Bon, ben on va se foutre. Ah, mais non, j'ai pas la portée, c'est vrai. Merde. Fusion Matrix, 5 tours encore. C'est trop long, ça. Est-ce que je peux pas les acheter? Ouais. Je vais les rusher sur ces planètes. 151, c'est pas cher. Ça, par contre, c'est plus cher. Ouais, Rushen, ok. Et l'autre research, c'était le Soil Engineering, donc il va rester là. Après toi, je vais le mettre en guard pour l'instant parce que je veux le mettre entre les deux là. Et j'ai juste pas la portée quoi. Fuck. Alors, toi, tu viens ici. Oh putain, ça se déplace vite ces trucs. Bon, on a quasiment plus de pop sur la capitale. Allez, les assemblées là. Combien ça coûte un assemblée? 121. Voilà. Un par tour. Non, on a déjà deux colonies de recherche, Taxia. Donc, si une planète a ton pseudo, ce sera a priori une colonie de production. Oh, encore une colonie là. Oh, influence et morale. Alors, ce que je peux faire, plutôt que de faire le couillon là, essayer de le mettre absolument entre les deux, je pourrais construire une autre starbase au milieu en fait, ou à peu près par là. Il va booster ma portée du coup. Mais pff, non. Déjà, on va faire celle-là. Alors, on va te déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore des seeds. Ok.